YouTube, on relance l'enregistrement. On continue notre petite partie. Alors il y a ce symbole. Ah, c'est l'esprit collectif. Il reste un tour. Voilà, par contre, on est bien bloqué quand on prod. C'est le problème. J'ai encore une étoile d'air. C'est pourquoi ? Étoile agraire, c'est pour la population. Et à niveau population, par contre, voilà, j'ai pas pris une civilisation basée sur la bouffe. Mais malgré tout, j'augmente bien. J'ai encore gagné une population ici. Là, par contre, je peux rattacher. Allez hop, c'est parfait. Plus 6. Plus 5. Je pourrais créer comme ça, ici, mon quartier. On va passer ça comme ça. Ah, il m'attaque! Eh! C'est plus Coït. Bon, on va faire retraite. Ça a changé de nom. Bah, le Coït a disparu. Non, c'est dommage. Bon, ta ville, c'est Sipar et pas Simp. Non, bonne blague, j'aime bien. Mon avatar, il est affreux. Bah, moi, il est beau, le mien. Regarde comme il est mignon. Sessionnel, j'ai gagné encore une étoile. Étoile scientifique, parfait. Ça me donne pas mal de points. Je suis premier pour le moment, je gagne un petit peu d'avance. Là, on a fini notre esprit collectif. Eh ben, on peut racheter une politique. Peuple indépendant. 50% au coût d'assimilation. Ça, pour le moment, je m'en fous un peu. Alors, soit il nous coûte moins cher à créer. Soit on gagne de la force de combat pour les unités, ce qui est pas mal. It does seem logical that partir là-dessus. People shouldn't have to do a job unless they want to. T'as un problème avec ma toge, Magic. Elle est très jolie, ma toge. On dirait juste qu'il est en pyjama, mais... Bon, c'est à l'époque, ils étaient un peu tous en pyjama. Mais toi, en automatique, tu me saoules, toi. Alors, soit étouffé, c'est pas intéressant. Jeu du prophète, ah oui, c'est un jeu à la con. Perd un peu de stabilité, ou on perd un peu de science. La stabilité, pour le moment, ça va. Je suis pas trop dégueu. Voilà. Ça. Rien qui va, les couleurs, la taille, le poids, y a R. Alors, les couleurs, c'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai demandé que le personnage soit en noir. Au niveau des couleurs, donc toutes ces tenues sont un peu noires. C'est léger quand même hein, le changement de couleur, mais c'est pas grave. Alors, eh ben, non, c'est pas moi qui gagne de l'influence. Donc là, on peut voir, maintenant, c'est apparu. On a le mécénat avec les peuples barbares, enfin les villes barbares. Alors là, ils sont attirés par quelqu'un. Qui doit être pas loin, qui est inconnu. Et moi, j'ai pas assez d'influence. Ils sont trop loin de moi. Donc, je ne les. Je les influence pas. Donc, je pourrais payer un petit peu si j'ai envie. Mais. Pas spécialement envie pour le moment. Attends, en fait, la ressource que je te disais, ça t'aurait pas aidé. C'est de la bouffe en pourcentage, bah 100% de zéro. Bon, en soi, j'en gagne de la bouffe. Hein. Là, je gagne 3 par tour, mais je suis... Voilà, consommation de la population, bon, 61. Ouais, je gagne quand même un petit peu de bouffe. Donc ça m'aurait fait quand même gagner. Par contre, pourquoi tu ne créais pas? Ah, parce que... Ah, ça s'arrête... Faut le sélectionner pour s'arrêter. D'accord. Alors, solaire ou lunaire pour le premier calendrier. On va partir sur solaire. Reaching the end of an ideology axis isn't extremist. Think of it as being focused, yes? Very goal. 208 là pour rassembler. Hop, très bien. 87. Fasse attention là avec eux. Ça peut être chiant. Les autres guerriers sont là. Venez ici. On va aller se taper avec des gens. Je ferais bien d'autres unités aussi, mais. Ah, oh, c'est loin.
12 tours pour les faire. Oh. C'est des lanciers. Normalement, je vais avoir l'étoile d'influence. D'accord, donc on peut voir un petit résumé si on laisse la souris. Là, il manque 2 étoiles. L'influence, je suis pas très loin. Les territoires, je suis assez loin quand même. J'ai 4 territoires. Donc, sachant que pour cette étoile, c'est des territoires vraiment rattachés. Faire un avant-poste, ça ne compte pas. Il faut vraiment rattacher le territoire à son, à sa ville. 10 territoires, c'est quand même beaucoup. Il faut pas mal de d'influence. Bon, l'argent, j'en gagne pas. Et militariste, faut détruire des unités, donc. Donc tendu un peu, hein. Et hop, toi tu viens ici, et toi aussi. J'ai débloqué la roue qui me donne les chars. Ça me coûte assez cher, donc je vais pas le faire. Il me reste un niveau, une étoile pour passer au niveau suivant. C'est pas mal. Toi, tu restes là. On va essayer de les attaquer. J'irais bien les détruire. Après, le problème, c'est quand des unités meurent, bah on perd réellement un de population, quoi. Donc faut faire attention avec son armée, c'est pas sans conséquence en soi. Quand on perd une unité. Ça coûte 208. Ah oui, mais ici, par contre, je peux faire. Quartier des artisans. Donc le plomb. Ah bah en plus, comme j'en exploite 2, j'ai l'effet extraordinaire. Donc apparemment, il y a 3 de plomb sur toute la carte. Je crois que si j'ai bien compris, ça marche comme ça. Il faut posséder plus de la moitié des ressources disponibles sur la carte. Donc il y en a 3, j'en ai 2. Et étudier la technologie mécénat. Bon, j'ai pas encore le mécénat. Mais en gros, quand j'aurai le mécénat, ça va me donner en plus de la stabilité et plus 10 de science. 10% de science. C'est assez énorme. Alors, où est le mécénat? C'est tard, je pense, le mécénat, par contre. Oui, c'est très très tard, le mécénat. Oula, mais ça ne s'arrête donc jamais. Ah oui, c'est ici. Bon, j'ai le temps de le voir venir. Mais c'est une petite figure intéressante. En gros, on peut faire un petit monopole. Calmement. Est-ce que je me rajoute des lois? En soi, là, il n'y a pas des lois très intéressantes pour le peuple indépendant. Rite religieux, ça peut être intéressant. Aux industries de quartiers religieux. Après, ça me donne quoi? Plus de stabilité. Bon, pour le moment, c'est pas très intéressant. On continue d'explorer. Alors, soit je gagne de la stabilité. Parce qu'ils veulent détruire la volaille. De la foi ou de la science. Mais on continue la science. You're at the end of an ideology, Axis? Well, there's something to be said for unswerving dedication to On a est très bien en cause. science. Il nous reste 4 technologies. Pour le dernier dernière étoile. Ah, il m'attaque, on est plus fort. On va faire la bataille, tiens. Alors. Genre, eux, c'est les plus faibles, donc voilà. Alors, je vois pas très bien avec les couleurs. J'ai l'impression que je suis en hauteur. Donc, la hauteur me donne un avantage. Que je vais, tant qu'à faire, essayer de garder. Sachant que c'est lui qui attaque, donc je peux ne rien faire. En fait, c'est trop bien l'Égypte. Ah ouais? Ok, donc non, je ne suis pas en hauteur. Par contre, lui, il est en hauteur. Putain, fais chier ça. Très sûrement perdre un guerrier, c'est pas très grave. Chaque fois que tu finis de construire, tu gagnes 10 en stabilité. C'est vrai que c'est pas mal ça. Surtout que la stabilité ça part assez vite quand même. Hein. Bon, j'ai perdu. Ah, ils se sont entretués, ça c'est bien. Perdu un explorateur, pas très grave.
Ah, j'ai fini. Voilà, j'ai gagné. Je crois. Ah, ils en ont un autre? Non, c'est bon. La bonne castagne. Parfait. Oh, pour les faire soigner, ça va être loin. Oh, tant pis. Soignez-vous pas. Démerdez-vous. On a les bateaux, très bien. Ah, je peux relier. Je peux rattacher. Est-ce que je rattache Babylone? Ouais, je vais rattacher Babylone. Forcément, je perds pas mal en stabilité. Et en nourriture. Coche énormément de nourriture. Plus 4, plus 2. On va faire ça là. 5. Ouais. Je fasse attention quand même. Bon, hein. Au bout que je galère. Voilà, je gagne 5. 5, ça peut être pas mal ici, en vrai. Et je prends ici. Ah, plus 7, c'est pas mal. Je fais beaucoup de quartiers au début, mais je suis un peu obligé. Les villes sont un peu dans la merde sinon. Non, je vais bientôt pouvoir passer en plus en air. J'ai quoi? Leadership. Ça donne quoi le leadership? Plus ça au maximum de villes, plus de stabilité dans la capitale. Maximum de villes, ça peut être vachement intéressant. Most problems eventually yield to the onslaught of more. Donc on va se créer un avant-poste. Ouais, ici c'est 120, 120, 220, 220, 320. 200, ça peut être pas mal en vrai. Même si c'est un peu cher, ça peut être intéressant d'en faire une par là. Tant pis, je vais payer un peu plus et je vais faire ici ma ville. Donc une ici et une ici qui prend ces trois territoires. Ça peut être pas mal. Le problème c'est que j'ai pas tant de prod que ça. Après je peux acheter directement. Allez, j'achète. Ah bah ça y est, j'ai fini. J'ai fini. Est-ce que je passe? J'ai un peu d'avance. Donc je vais attendre un peu. Trade d'une nouvelle ère. On va choisir plus tard. Parce que là, en soi, je peux soit directement changer d'air. Ou sinon, je peux attendre un peu. Alors, bon, je veux pas. Et essayer de faire ça. Là, il me manque 3 recherches à faire. Et j'aurai 350 points en plus. Ça peut être pas mal. T'en profiter un petit moment encore des Babyloniens. Essayer de faire les quartiers. D'ailleurs, toi, hop, tu me prends ça. Automatique. Ah ouais, 13. 13, 12 et 12, 15 quoi, quand même. Pas dégueu. Donc, si j'ai besoin. Remarque, ça peut être un territoire de Babylone. Assez intéressant. Avec beaucoup de boue. Yes, sir. Tu veux pas me montrer, non? Ah, mais oui, j'ai pas assez d'influence, donc tu peux pas me montrer. Ah putain, ouais, par contre, la zone est vraiment pas ouf, quoi. Même pas de rivière. Debate and discussion are not the pastimes of the idle.
but the actions of thinkers and movers who will touch every aspect of civilization. Ouais, je peux la faire là. Parce que 12-15, c'est vraiment super fort. Elle a un positionnement assez ouf. En vrai, je vais faire ici, puis je relierai ces quatre territoires-là. Et je ferai une ville avec ces trois territoires-là, je pense. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. C'est de prévoir un petit peu. Ma bouffe, par contre, est toujours... dégueulasse. Bon, je vais falloir que je prenne un empire basé sur les bâtiments, sur les bâtisseurs. Parce que là, j'ai vraiment plein de trucs à fabriquer, plein de trucs à créer, donc faut vraiment... Donc, je pense que ça va partir sur les Mayas, parce qu'ils sont très très forts. Moins 10 en nourriture, non. Soit j'ignore... soit je protège. Grande chance de conséquence positive. You have reached allez, the on end protéger. Of an ideology axis. Of all the epithets other empires may use for you, wishy-washy won't be one of them. Ici, la stabilité est pas folle. Ici, ça va, on est encore assez bien. Je suis toujours assez loin devant, ça va. Il me reste deux technologies. C'est de finir les deux tech. Farmers quarters for one city. Somebody is going down in history with the title of the satiated. Ici on a une ville. Je pense que le plus intéressant à prendre après ça va être ça puis ça. Voilà. Okay. Come over here. Off we go. Des vieux trésors. Ça coûte 240. Ici, c'est pas spécialement intéressant. Là, c'est 240 aussi. 12, 4, 6, 8. Grosso modo pareil. Plutôt ici, 6, 8. C'est pas mal. Bon, plus de chevaux. Plus intéressant d'avoir des chevaux. Ah, il y a ça. L'esclavage. Les quartiers. Des spectacles, plus de nourriture, plus d'industrie, plus 1 de population, bonus par pillage. On compte pas trop faire de pillage, donc c'est pas mal ça. Allez, on va prendre ça. Je suis pas trop un pilleur. On joue dans les règles. J'annonce quand je fais une guerre. Ok, on a le fer. Bon, il nous reste une technologie. Très bien. Prochaine, alors je vais peut-être prendre une autre technologie qui est un peu moins longue. Peut-être celle-là peut être pas mal. Allez, continue ton explo, toi. D'ailleurs, non, je voulais créer une ville ici. Et vous pouvez revenir par là. D'ailleurs, je peux tous les up. J'ai pas de fer. J'ai encore une étoile. Je sais pas laquelle, mais j'ai eu une étoile. C'est les quartiers. Ah non, c'est juste... ok. C'est tout, dit-on. Dans 3 tours, je finis le quartier. Ok. Bah exploration auto. Ils explorent vraiment qu'une seule île, hein. Les mecs, ça fait 800 ans, ils sont juste sur cette île. Alors louer, soit on a plus de nourriture à Babylone, ça peut être vraiment bien ça. Ça c'est une abondance à 6 parts, c'est moins intéressant, abondance à Babylone et moins d'habitants, 6 parts. Prendre ça, j'ai de l'argent, c'est pas grave. Pas trop grave.
J'ai pas eu... Ah si, j'ai du fer ici. Hop, on va faire le fer. J'ai qu'une ressource de fer. Donc ces unités, je vais pouvoir les améliorer. Même si... Ça va me coûter assez cher. Et on peut se soigner aussi avec de l'or, les unités. Et 90, parfait. Allez, on va pouvoir attaquer. Voilà, donc j'ai gagné un nouveau niveau de gloire. Donc je vais choisir une civilisation. Donc là, j'ai plein de nouvelles civilisations. Et je peux garder les Babyloniens si j'ai envie. Ça multiplie mon bonus. Ça peut être intéressant, mais autant changer. Alors c'est vrai que les Mayas sont beaucoup trop forts en fait parce que ça peut totalement snowball. Parce que ça fait des quartiers de fabricants et c'est plus 4 d'industrie par quartier de fabricants proche. Plus d'industrie. On peut faire un sacré truc avec ça. Et plus 3 d'industrie par nombre de territoires attachés. C'est pas mal du tout les Mayas, même si leur unité est pas folle. Eux c'est l'influence. Bof. Les 1 bof. Les go, pési de force, ça m'intéresse pas tant que ça pour le moment. J'ai pas de combat. De la bouffe, ça pourrait être intéressant aussi la bouffe. Mais. Pas trop envie, ça c'est de l'argent. Les grecs c'est pour continuer sur la science. Et les axomites c'est pour avoir de l'argent. On va prendre les mayas, comme j'avais annoncé. Regardez, je change de tenue. Il est mignon comme ça, il a plus sa toche dégueu. Confirmé. Toi c'est bon, t'as récupéré. Oui. Vous. Vous pouvez venir ici. Toi, bah, tu continues ton explo. Cette ville. Et j'ai fini cette ville. Ça coûte 1020. Pour améliorer. Je suis quand même à 79 de science. C'est assez énorme quand même. Et je gagne de la bouffe quand même. On est pas mal. Je vais voir tout ça à créer. Eh ben, on va faire fin de tour. As urban centers grow, both ideas and sewage are generated at a record pace. Arts and sciences flourish as military tactics and mathematical equations become as coveted as physical goods. Empires struggle to control these intangibles, however. Some might trouble their stability. The Maya had excellent ideas for construction and calendars, though they were a bit weak on arches. Donc maintenant nous sommes les Mayas. Et on va aller créer notre ville ici. Comme ça elle aura un centre vraiment très intéressant. Très bien placé. Franchement là, les mecs ils veulent venir attaquer par la côte, je m'en fous, je suis en hauteur, ils peuvent venir attaquer que par là. Je trouve que c'est vraiment un emplacement pas mal du tout. On prendra ensuite ces territoires. Vous allez venir par là. On va rester là-dessus. Ok. Est-ce que toi tu peux rattacher 288 au prochain tour, je pourrais rattacher ça. Là déjà je peux gagner à 22. C'est pas mal. Et là je peux gagner à 20. Ah oui. Ah oui, comme les deux sont peuvent être à côté, même sans être dans le même territoire. C'est vraiment bien. Là, j'ai vraiment un bon positionnement. Et là, je peux avoir un petit 15. Ouais. Je peux avoir 15 et augmenter après le nombre de quartiers ici. On va bombarder. Là, il faut vraiment que je monte mon industrie. Ici... Je vais monter ma bouffe.
13. On va le faire ici. 9, 8, 6, 8. Alors je vais peut-être le faire là. Pour créer ensuite les quartiers autour. Quartier de prod. Fabricant. Voilà. Il faudra faire. Faut faire très très attention à la stabilité par contre ici. Là c'est assez. Ça va, c'est assez stable. Je vais peut-être faire ça avant. To harness the power of water itself in order to feed your people. That should make you popular. Il y en a un qui est passé à l'âge suivant aussi, le quatrième. Bon, on va faire une résolution instantanée. Voilà, on les a pétés. Ils m'ont fait un peu mal quand même. Hein. Allez hop. J'ai perdu une unité par contre. J'ai envie de tenter. Allez, assaut. Voilà, j'ai gagné. Bah, j'ai pris la ville. Donc j'ai une ville en plus. Et bah nickel, comme ça cette ville prendra ces deux territoires là. Cette ville prendra ces deux territoires là en plus. Et je pourrais créer une ville ici qui va prendre ces territoires. Et peut-être un autre bout ici. Pas mal. On va passer, finir le tour. 10-10, ouais. Et s'il me faudrait de la bouffe. Hein. Si j'ai personne. Et en plus, j'ai déjà comme ça du café. Et de l'encens. Ça, c'est très bien. Alors ici, en fait, pour 6 parts plus 10 de stabilité, ça peut être bien. On va prendre la stabilité. Et je vais arrêter l'enregistrement YouTube ici. Et ben donc, dans la prochaine vidéo YouTube.